Moi je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai aperçu plusieurs fois. Bangola, Kolanda, Basia Batama, ma maman Batu. Je le connais. Moi si naé oazo vivrené lilo atinda baka até karana. En tout cas, bobé tampé ma stade de bino tout le monde à Batu. En tout cas, ba kisi batama kisi bolimbi sanga pena. C'est de la banalité. Ozala kiao. Tu étais libre miko bakanga mututa. Ya ko loba. Papa na au candidat franc que non Fali ce qu'il fait face à Mbeli pas bon battre entre nous ici on se connaît nous avons une base qui s'appelle les Warriors puis vous avez un c'est petit de courage en tout cas vraiment il faut pas lâcher c'est ton fils ou ton petit mais bon Blana bon c'est grand responsable Blana prêtre Kotikate en tout cas continuez parce que plein de temps Nandé au banda bango mabe invitation à ardoise mais avec divin bah invitation en bois netika kabasali à mon Joseph tata moboko les grand menuisier bah invitation en carton n'a pas folo nango jardin de l'aide invitation à boy bango yambo kolofet il atta mabe maison divin à bossa liminote à tchelibinope promotion en olé à pamba Maison Given! Vous êtes trop amoureux du pays! Wow! Given! Vous exagérez! On n'aime pas le pays comme ça! On n'aime pas le pays comme ça! Aïe, 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 aïe! Aïe, 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 Nous émettons depuis la République démocratique du Congo, la ville-province de Kinshasa. Chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout grâce à notre chaîne Congo Isiengo officiel plus télévision. Je demanderai à tout le monde de s'abonner humblement. Soutenez-nous. Abonnez-vous, partagez, likez, c'est important, c'est une manière de nous soutenir. Voilà pourquoi aujourd'hui, à travers cette émission, je vais recevoir un grand artiste. Lui, il est musicien. Il est parmi les musiciens de la République démocratique du Congo. Je vais faire mon entretien avec lui. Je rappelle à tout le monde, il nous vient de très loin. Il a fait le tour du monde. Aujourd'hui, il a décidé de participer dans cette émission. Il a accepté notre invitation. Voilà pourquoi moi aussi je vais rendre cet ascenseur pour lui dire merci. Je rappelle à tout le monde que lui, il accompagne l'artiste Fally Ipupa Aigle, figure emblématique de la musique congolaise, un artiste totémique. Aujourd'hui, il représente la République démocratique du Congo partout où il est. Grâce à cette émission, nous allons faire cet entretien avec Gino Liaki, un de maestro de la ville-province de Kinshasa, de la République démocratique du Congo, qui est mon pays. On va parler de Fally Ipupa, on va parler du groupe qui accompagne Fally Ipupa, Aigle. Après avoir fracassé quelques stades, quelques salles, aujourd'hui, il a décidé de parler. On va parler. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas de nous contacter à travers nos numéros qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Quant à moi, je dis un grand merci à Yateo Zambrota qui nous suit depuis l'Angola, sans oublier le très spécial Jiamboda.
Je te salue affectueusement. Welcome to Kinshasa. Et puis, je vois directement celui qu'on appelle GM Image. Merci de suivre cette émission. Merci à tonton Didier Max qui nous suit depuis Londres. Et je vois aussi tonton Clovis Fimpa, monter ma maman Doris depuis Magister. Et puis, pour boucler mes salutations, je dis un big salam à tonton Guylain Fimpa, le boss de Given. Si vous avez besoin d'avoir les invitations, n'hésitez pas à contacter la maison Given qui se situe dans la commune de Gombe, précisément à l'immeuble Beautour 4e, j'allais dire 4e niveau main. Nous sommes au rez-de-chaussée 54, numéro 54. Je salue déjà affectueusement mon invité Gino Liaki que vous allez suivre aujourd'hui. Ça dépendra de l'heure que vous allez suivre cet entretien. Gino Liaki, bonjour. Ouais, bonjour Jean-Cy, salutations à tous qui nous suivent à Saint-Estan. Donc moi c'est Gino Liaki, l'homme qui ne recule jamais devant un obstacle. C'est bel et bien Mbouza, donc directeur artistique au sein du groupe Fali, guitariste, fils de son père. Donc mon vrai nom c'est Serge, j'aime bien qu'on m'appelle Mbouza, ça me plaît. Pourquoi Mbouza? Au lingara, au réveiller, bah esprit, au ilala et bah Mbouza, ou bien bah Mbouza, bah lingara sous qu'on reconnaître t'es que baza bah Mbouza, parce que chaque fois où yo voyage, chaque Mbouzara, bah dans un Mbouza, dans un Mbouza, au lingara, au passé message ni. Ouais, donc de ma nature, naza de l'Équateur et puis précisément de Bumba. Je suis un Mbouza, donc 100% de père et de mère. Bon, j'ai opté ces noms pour Nalingango d'abord. Okay. Et puis, présentement, pour l'histoire, na histoire, Nabiso, il y a phare d'essai. Donc, à un certain moment, donc, après l'indépendance, il y a eu au top niveau des. Bon, en fait, au général des forces armées, qui c'est lui qui dirigeait les forces armées, ça a été toujours les Mbouza à l'époque. Rappelez-vous du général Bumba, rappelez-vous du général Maele, général Elouki, ainsi, général Bumba Mouasso. Donc bon, j'incarne un peu leur esprit, donc parce que à leur époque ils ont su à diriger le phare d'essai aujourd'hui qui est phare d'essai. En fait, il n'y avait pas de guerre, ainsi de suite. Donc, le pays était dans le respect. Donc, avant d'arriver à Boula, moi, que Mbouza, Badjomo, Badjomo, têtu, Badjomo, Badjomo, respectueux, Badjomo, Badjomo, poli. Donc, je préfère me faire appeler Mbouza, l'homme qui ne recule jamais devant un obstacle. Vous habitez dans la ville province de Kinshasa, Batu Bélé, Bakoumissa, Bakoumina, Bango. Oui. Nous sommes en Abandalongwa, mais au moins, moins Kokoumissa Bandal. Plus Mbouza. Bana Bandal Balobani. Bon, Bana Bandal, moi je ne suis pas natif de Bandal, mais je suis naza Kouyakouya Nde Balobakaka. Donc, Ayouya Kouya. Moi quand je suis né, pour une petite histoire, ma mère était déjà enceinte, tant que Bazalaki déjà na mutation. Donc ils sont venus en visite à Kinshasa. Et puis moi j'ai eu la pression de pouvoir sortir, donc à maman et moi ici. Donc nous habitions. À cette époque-là, nous habitions Bruxelles, parce que mon père c'était un diplomate. Donc, dans la Botami, deux, trois jours après, donc, j'ai pratiquement grandi de ce côté-là. Et puis après. La côté, comme... à Bruxelles. Ouais. La Belgique. Ouais, la Belgique, ouais. Donc, au Canada, Belgique, vous avez moins. Déjà 0-1. Ouais. 1 Ouais, 0-1. Parce que si je comprends très bien, vous êtes belge. Je suis pas belge. Bon, à l'époque, on était pour Kaliloté. Mon père était diplomate. Ouais. Donc, un diplomate congolais de l'époque, en mutation. Donc, okay. La nationalité était parce que mon père était un diplomate. Ok. Mais Nazaï n'a passeport rouge depuis ma naissance. Passeport rouge. Ouais. Ou Batulélo, Bazoyozongo de Akka. Déjà, attends. Très tôt le matin, il en a déjà. Ok. Je crois peut-être ma question, ça sera une question pertinente, mais non, Linga. Mais je tiens quand même à saluer l'homme au cerveau d'acier, Fali Ipupa DiCaprio et la merveille. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir, nous, Congolais, nous avoir
donner cette opportunité de pouvoir voir les disques d'or certifiés, le premier au Congo, donc habitant au Congo, donc dès tous les disques d'or là quelque part ici, capitale de la République démocratique du Congo, grâce à ces messieurs au cerveau d'acier. Donc j'ai cité Son Altesse Fally Ipupa. Salutations à toi et à toute ta bande, donc Madina, Edi Badiata, B50 Balondo, Ejiki Tengue, Fefe Gola Merveille et bon, pratiquement tout le monde qui entoure M. Fally Ipupa. En tout cas, félicitations pour cette obtention du disque d'or. Enfin, nous avons quand même pu réaliser le rêve de King Kester Minéa, parce qu'il est 10 ans à l'époque qu'aucun musicien congolais n'a jamais eu un disque d'or certifié. En tout cas, vaisseau aux Alaki, tout le monde selon on a parlé. Ok. Merci. Aussi, si la éloge n'a auto-dédicace. Tes Alika, parenthèse. Ah, j'ai qu'à entrer. Hein? Mm. Ok. Dans une question moins pertinente, mais n'a habité ce qui des yomes européens et qui ont troublé. Vous après pour la réponse. Oui, je suis prêt à toutes les questions. Donc, ceux qui peut-être. Celui qui n'est pas prêt, qui est trop banal, donc je préfère me taire. Ok. Je ne sais pas si ça va vous verser, bien vous déranger. Depuis vous en a fallu pour pas. Il y aura question dans la bien. Mm. Depuis vous en a fallu pour pas. Est-ce que. S'il faut compter. Ou déchiffrer. Tout chiffrer. Bah, nombre de voyages ou voyages en a fallu. Ou totaliser combien de voyages? En tout cas, c'est vraiment difficile. C'est comme. Les allogos, la poignée, moi, il y a zéro, n'a pas beaucoup. Donc, c'est vraiment difficile. Ça, il faudrait peut-être que répartir à partir du moment. Il y a un passeport, on en a pour essayer un peu de lire. Et puis, n'oubliez pas, nous avons aussi fait l'intérieur du pays. Ils sont belés. Et puis, non seulement l'intérieur, mais nous sommes également dans la Libreville. Tout ça, il y a l'intérieur. Ça sera difficile de pouvoir. Oui, bah, sous nombre de voyages, je connais opté. De 2006 à nos jours, ça sera propre. Il faudrait peut-être que j'écrive. Ils aient belé. On notera peut-être. En tout cas, comme c'est devenu à l'accoutumée, donc c'est difficile. Au début, quand on y en avait 2006, on continuait déjà. Hey, 14e voyage, 15e mois en 2006. Tant au compte qu'à 2007, tant qu'à Arsenal de belles mélodies, il y a parce que ça, il faudrait le dire. En tout cas, j'en suis. Droit chemin. Nous l'avons pas exécuté, tout le monde a interprété. En tout cas, droit chemin, déjà, il a qui s'habille pratiquement dans le monde. Et il s'habille partout. Et il s'habille dans la salle, et il s'habille dans la salle. En tout cas, merci à Fally Ipupa, surtout pour ton droit chemin. Là où nous étions que des interprètes. Et après, on a eu un arsenal de belles mélodies, tout ça, 50-50. Pas où on a eu récupéré plein. Tout ça, moi. 76, tant que tu es en contrôle, tu es en récupérant à 100%. Ok, je crois tout le monde est en train de te suivre maintenant. Quand je dis récupérer à 100% dans sa vie, de l'exécution jusqu'à Nasuka, donc à part les mixages, ainsi de suite. Ok, ça te fait comment aujourd'hui ou bien avant, parce que Tilly Lozara Ozali d'être directeur artistique de Fally Ipupa, du groupe de Fally Ipupa. Du groupe, ouais. Parce que c'est un groupe d'accompagnement. Ouais, c'est un groupe d'accompagnement. Ça ne me gêne pas de pouvoir appeler ça groupe d'accompagnement. Oui, mais nous. Tigalo en mon aoté qui, ok, betata, un orchestre mon. Tesali, sauf que non. Tesali tournanté. Tesali, sauf que bon, ça c'est mes intérieurs. Oh. Déjà. Groupe d'accompagnement comme intérieur. T'es à part peut-être ou à Fally. Monsieur Cézali. Mais bon, on est là. Celui-là, c'est mon petit papier. Ah, ok. Pas de soucis. Mais si, Ezali, mais bon, j'ai mes réserves de pouvoir en parler ici parce que. Mais c'est important parce que Mouni, tous les. Non, mais je peux en citer. Kando, c'est pas Fally. Quand il y a un groupe d'accompagnement, il y a Fally. Qui est Betila Moutou. Betila Moutou, parce que Fally, il y a vous êtes libre. Parce que lui, il donne déjà 80% de son travail. Il nous fait ça à 20%. Non, mais j'ai libre. Non, mais. Il y a au salle, au bourreau, au salle. J'en suis. Au moins, il peut-être Lélo a dit que Betali Solo a 80%. Peut-être que les gens croient que quand Fally a dit 80% et Eugénie Bisson, non, ça ne gêne en rien.
S'il faudrait peut-être remonter à partir des calculs, prenez un papier, je vais vous expliquer ça. Ok, moi j'en ai déjà. S'il faudrait parler des pourcentages que Sfali a dit, c'est vrai. D'abord, Banzembo Loko la Toké, non, nous, droit chemin, ça c'est pas nous. Arsenal de Mel me le dit moitié-moitié. On parle directement, on tombe sur Power par exemple. Power, Fally s'amène avec ses chansons. Il vient avec sa chanson, par exemple, Amour Assassin, qui déjà, lui-même, chez lui à la maison, se faisant déjà accompagner par une guitare, à peu près, mais il vient, il me propose de dire que non, bon, Bobet Amour Assassin, Bobet est dans la guitare. Il est déjà PC, première note, déjà dans sol, bien à la, bien à ré, bien à mi, déjà à une ligne de base. Nous, en tant que professionnels de guitare, lui, c'est un guitariste aussi, mais nous donnons nos miens à partir de son idée. Et puis, et ça, la marandengue, on a sauté sous colonne de Boyer. Moi, je ne me gêne pas de le dire aujourd'hui parce que il y a un aîné qui a déjà parlé de ça. Le monsieur s'appelle Maïka Mounan. Maïka Mounan a dit, tant qu'on s'est à droit chemin, il avait de la facilité à jouer avec ses jeunes parce que il y a qui déjà n'a fond naï. A suivi guitare. Nous disons, mon chéri, fini quand on a les puta, maman. Bango, pas besoin de faciliter directement et accompagner. Pour déjà, il ne faisait pas allusion à un chanteur, c'était un compositeur. Dans sa vie, quelqu'un qui s'amène déjà à la base avec une guitare, avec sa chante déjà arrangée. Avec sa mélodie. Moni moi a difficulté tous arrangé en moni sur tout ça l'album et où mais la caté bimi. Bisous togo la kabatouté que tu oublies album et obimana. Dans 2 ans pour son album et comme mis 5 ans. Dans 5 ans. Et là en fait. Bisous togo la question dans l'ail mais on a profité vite fait d'un engolo bisco. Et là on y ne salera que monto la kibatou que obim sa album dans 2 ans et comme mis 5 ans et comme mis 8 et comme mis 10 ans. Il a le point ni les barrières. Peut-être il y a les exécutions. Donc il y a certaines personnes aujourd'hui. Il est temps qu'il est musicien. Il faut se le dire. Jean-Cy, Namon Nabiso à musique, Lélo. Bon. Complexe. Peut-être étant sous Nao travaillant à studio, moi à Kinshasa, c'est des banalités pure, moi. Donc ça veut dire il faut enlever cette histoire. Même à partir de n'importe quel studio ici à Kinshasa, on peut réaliser des chansons, des œuvres qui font succès, qui font tabac à partir de Kinshasa. Peut-être étant moussou sous Kolinga, peut-être faire amélioration, tant sous awa mixage, ainsi de suite, après mixage, mastering, ainsi de suite. Ça, peut-être, tant sous awa développé, puis c'est commis déjà. À l'époque, c'était pas développé, il faudrait peut-être aller à l'Occident pour essayer un peu de pouvoir, au salamo, payer les gambamons là-bas, disques, ainsi de suite. Ok. Mais, si Koyo, quelle a été la facilité chez nous? L'auteur, lui, vient avec sa mélodie et sa chanson et une composition déjà. Donc, il nous reste que de pouvoir s'ajouter à son idée. Donc, ça dit, Aïn Anzembo déjà, Yemo déjà, c'est pré-arrangé, Bisou Touika a tout s'ajouter. Yango Moni 80%, tant que Bima, ça ne nous a pas gêné. Parce que lui-même aussi pouvait expliquer. Il a un Anzembo là, deuxièmement, ses arrangements à lui. Il participe aussi à la réalisation, même dans la programmation. Donc ça veut dire, ce qui était total déjà dans la terme, il y a un pourcentage, il a gagné déjà des terrains de pouvoir faire une réalisation simple. Nous, on n'en amène que 20%. Bravo à nous parce que déjà, avec cette idéologie de cette... comment on appelle à partir, il y a power. Déjà, tout comme la 20%. Parce que rappelez-vous, en 2006, quand on était encore des interprètes, il y a Banzembo Loko là-bas, Chéri Fininga en Liputa. En termes de pourcentage, vous avez qu'à m'accompagner. Ok. Chinolia qui. Vous avez peut-être 3-4%. Parce qu'on doit vraiment en profiter. Parce que, en même temps, vous accompagnez Fally Poupa. En même temps, professionnellement, vous êtes musicien. Donc, il faut vraiment tout profiter dans l'occasion où. Tant que vous avez que par exemple l'artiste à l'obi, l'album est malade 2 ans, et comme 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. J'ai mis seulement les dates, ce n'est pas les années. Il n'y a pas un abysso.
modification des dates. Pas un orchestre en sous que Basali 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, album et Zobimate. Il est tant que musicien, de Longo Lionano, étant que l'artiste qui accompagne Fally, toujours le roi musicien, vraiment le roi maestro. Non, mais moi je ne trouve pas que c'est des astuces là-bas tout est. Parce que les chansons, il y en a. Ouais. Aujourd'hui, il y a pas mal de paroliers qui circulent. Donc, je suis aussi en train de faire un peu de temps. Je suis en train de directement. Ouais. Parce que moi aussi, je suis compositeur. J'ai aussi mes œuvres à défendre plus tard dans l'avenir. Je suis en train de projet. Il faudrait peut-être se préparer. Peut-être que j'ai 3-4 chansons. Peut-être que ça va me faire un album plus tard. Plus tard, là, quand tu vas voler avec tes propres ailes. Oui, même dans le groupe. Même dans le groupe. Oui, dans le groupe, ça peut toujours. Déjà, tout ça va dire Banzembo. Mais Nagoya Penabima, en tout cas, moi, j'ai Jancy qui voudrait me produire. Ouais. Donc, ça veut dire dans la belle agence. Donc, dans le groupe, j'ai demandé. Mais tu accompagnes toujours Fally, mais oui, tu t'es je peux, je me fais un ligablo à côté. Oui, c'est faisable. Okay. C'est faisable chez vous, vous avez fait ça. Oui, je pense qu'il n'y a pas de cadenas pour ça. Ok, je reviens maintenant à la question à poser que Liboso. Tu accompagnes Fally. Est-ce que nous accompagnons Fally, est-ce qu'il arrive à peu que ou jouer, ou accompagner leader, tout orchestre Moroboué, tout Moroboué par rapport à un projet, à un album, à une chanson? Oui, c'est ça déjà au début. C'est qui n'a je préfère taire le nom donc, de lui-même en place à Zahébi, donc j'en ai fait plusieurs. Tu avais demandé la permission ou bien c'était. Moussoukou Tounassala, sans qu'il n'y ait pas de nom, et côté comme ma page ainsi. En fait, on a programmé Nzembo, mais on a évité que Jansi me transforme. Ok. Mais Jansi a son bien. Bon, ça fait plaisir, ça fait pas plaisir. Si quoi, ne sachant même pas que Outi Koto, on a dit que ça va toucher. Henri Balondo a été un cop, tu vois? Ok. Donc, bon. Ok, on va pas citer là, les artistes. Mais s'il faut parler en termes d'orchestre, Evre Nayo, Touche Nayo, est-ce que déjà Touche Nayo est Betama Nawenge? Nawenge, pas encore. Na quartier latin? Na quartier latin. Un peu oui. Un peu pas, oui. Dans la famille quartier latin, mais quartier latin. Je parle de quartier latin. Non. De grand mot pas ou non? Jamais. Grand mot pas ou jamais? Touche nanga la grand mot pas ou comment on a comment non on a c'est que tant au lobby, quartier latin, grand. Dans grande famille, oui. Ouais. Ok. Est-ce que Touche nanga est comment appelé déjà dans le groupe Yaba Tigre? Tigre c'est qui? La Tigre. Tigre, viens dans la soliste et moi, ça sonne japon. Non. Tigre, Tigre, Valia Kadongozi, Tigre, viens là-bas. Au moment où Bino va bien, Bino va aigle. Aigle. Va bien, soit aigle. Aigle, ça, son Altesse Fally Poupa. C'est lui. Bon, Afro Congo. Est-ce que touche dans le DG Afro Congo, il y a Baloumé. Ah non. T'es oui. Oui. Au début. Au début. Ok, c'est bon déjà. Ça montre. Tu accompagnes Fally. Oui, tout en accompagnant Fally, nous avons eu Innocent dans ses débuts. Sa première chanson professionnelle, c'est nous les exécutants. Okay. J'ai été même à la réalisation. Je sais bien. Ok. C'est très bien, ça avance. Est-ce que tu as déjà participé ou bien Touche Nayoupe et qui n'a déjà et pas héritier Watana Ben Orchestre Nay? Non. 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 Te barrer. Fabregas, Villanova. Villanova, la grande famille. La grande famille. Ouais. La grande famille, c'est-à-dire pas forcément Fabregas, mais bon, c'est musicien. C'est musicien. Binafilé déjà. Bon, Binafilé, les idées. Les idées. On a partagé les idées, oui. Ok. Parce que je dis Montana Kaminga. Montana Kaminga assisté, mais pas exécuté. Gibson. Non. Mais finalement, tu vas me faire découvrir où qu'il y a un chez moi. Donc, je salue tout le monde de ceux que j'ai accompagnés, j'ai assisté. On va m'y aider. Ça veut dire que tu me tends un piège. Je sens venir. Mais bon,
c'est bon. On a eu quelques bateaux. On n'a pas fini parce que au moins en gros, oui. Moi, je vais en fait na expliquer bateau que s'il faut parler de musicien dans la République démocratique du Congo. Non, mais quelque part, je risque de dire oui, parce que normalement nous avons avancé dans les détails. Tant dans le oui, na sopani. Donc il essaie lui-même. Et l'eau est au sopanesa. Ah. J'en suis. Non, non, ok, non, paisiblement, calmement. Mais ça, mais il a quoi? Non quoi? Non oui. Parce que bon, je dirais un oui. Finalement, ta liste est tellement longue que non, je risque de dire un oui. Vébosi bosiana. La dernière. C'est la dernière question, oui. Dernière personne. Non, la vidéo, en fait, on a parce que nous nous sommes suivis dans la Côte d'Ivoire. Même la place, il y a un rapé. Oui. Balandarabi. Vous comprenez? Il faut tant que nous sommes au monde, il faut comprendre que. Oh, mais c'est une question de la Naépe. On va couper décalé. Ah oui, le Longom. On va couper décalé dans la Côte d'Ivoire, oui. La Côte d'Ivoire. Ouais, j'ai dit tout le monde a grandeur. Mais la personne, je ne cite pas, la période de 2006, on a travaillé avec un grand homme, Benzimbo Pessa Taba. Vous participez dans la touche, non, qu'on t'appelle la Jet Set. Jet Set. Jet Set, c'est quoi? C'est un groupe. C'est où? C'est à Kin. Groupe FR. Ouais. Dans le groupe ou bien lui-même? Ça dépendra de toi. Je commence à déjà tomber dans les pièges. Je crois que donc, salutations à tout le monde. C'est donc, j'ai travaillé avec Boibi Kaka. Donc, je préfère me taire parce que je ne connais pas avec ces gens. Si c'est quoi, au piège, au zolo, non, non, mon piège. Surtout, tout qui n'a pas besoin de mon stade, je suis sincère avec moi-même. La Tokos 2, Tokos Gold, je n'ai pas participé. Si quand on a posé ma question, ni à la réalisation, ni à l'exécution, ni dans je suis simple interprète. Tokos, tous les Tokos 2. Mais peut-être Tokos 1, il y a une chanson qui nous est revenue. Voilà, on a eu un temps de me poser ma question, je vais répondre. Mais la question, famille Nabiso. Parce que quand on a tout le monde des questions. À tout le monde, à Tokos 2. Ah, Julien Mouboulakane, je te salue affectueusement. Ouais, Fiston Balabo, je te salue aussi affectueusement. Donc. Toujours avancé. Aimer bosser les. Batbanta la biso siko. Depuis au travail Rana Fali ou accompagné à Kafali, qu'est-ce que tu as perfectionné dans Moussala Nao? Beaucoup. J'ai eu beaucoup de ces messieurs. Donc, en tout cas, beaucoup professionnellement. Vous savez, à bas début, Nabiso Tantoyaki, ouais, nous avons eu des titres. Il y a Déa, Yekuna, et ainsi de suite. Donc, on se faisait appeler Déa, mais on ne savait même pas que non, Déa, ça veut dire ça, ça veut dire ceci, ça veut dire ceci. Donc, nous avons eu dans le groupe, pendant que nous travaillions, profondément, et d'essayer un peu d'approfondir les objectifs de Pessa Maïbiso. Donc, un directeur artistique, déjà, au vrai sens du mot, donc il faudrait faire des recherches sur le son, faire des recherches sur. Comment accompagner, comment un groupe doit se comporter. Donc, dans tout ça, il faudrait peut-être voir les un peu ailleurs. Tu étais allé aussi ailleurs au Kenya, non? Et bah, à l'époque. Ailleurs, oui. Ailleurs, on a sens dans ça, c'est-à-dire essayer un peu de voir qu'est-ce qui se passe peut-être au Tali. Groupe moins grand, tu retires ce que tu peux retirer. Net in Azaïko, la Kenya a fait des fois, mon Natal, comment ils sont organisés. Donc, je tire ce qui est bien. Zaïko. J'amène chez nous. Koulouto, ça existait qu'avant. Zaïko, tant qu'on a, Bon, Zaïko. Bon, en fait, c'est un style, on a déjà.
plus bah musicien. Non mais finalement bah on boit un an à l'hôtel là-bas. Pour nous on a qu'un à répétition tout hein. À part peut-être Moroné peut-être. Mais ils ont intelligence. Bah. C'est pour apprendre, c'est pour. Non pas pour apprendre. Apprendre c'est trop dur. J'essaie un peu de pouvoir échanger avec ceux qui manquent chez nous. Exactement. Car si on a tout nous et là on est ni au lieu de jouer dans Zaïko ou et pas n'habille nos enfants tout noté quand. Peut-être dans Zaïko ils sont endurance. Hein. Donc il y a de l'endurance quand ils commencent et puis ça fait jamais des arrêts jusqu'au bout. Ok, endurance c'est bon à part Zaïko. Bon, Bagou Bébé et Monsieur Snakenda, j'ai accompagné une fois, bon plusieurs fois, Fali quand il est parti dans les invitations chez Quartier Latin. Ok, Quartier Latin, rejoignez. Bon, on a gagné na école à Tchatchou. Bonjour Tchatchou. Tinganaki, personnellement. Déjà, je joue à Tchatchou et pas Fali. Pas vraiment. Pas vraiment, mais bon, des fois, ça tombe aussi dedans. Hein. C'est une musique qui, aujourd'hui, on ne peut jamais passer à côté. Donc, si je comprends très bien l'orchestre où il y a Frédéric. T'es belé, belé. T'es un Mickey, Mickey. Bayouda, un peu de Jokenda. Bayouda, une fois, donc, vu vite fait, mais les. Les groupes, les Suédois, les Doudou Kibinda, les Bunafilé, je veux aussi. Dans tous les groupes. Pas Bunafilé, Zouane. Bon, on a qu'un aïe à Otala. Il est là. Il est là. Il est là. C'est que lui reproduit dans le disque. Il est là. Il est commode. Qu'est-ce que tu avais constaté? Oui, j'ai constaté que non, c'était un perfectionniste au départ. Parce que moi, au départ, j'étais là. Et puis au fur et à mesure, ça s'est amélioré. En tout cas, aujourd'hui, les groupes de Binafilé, ils sont professionnels. Hein. Donc, les erreurs du passé, il n'y en a plus. Est-ce que vous avez une touche dans mon rotique là-bas? Parce que les qui ne peuvent pas jouer. Ça, c'est entre nous. Donc, place dans mon avis, moi, un bruit. Merci à président. Président, côté, ça, il est bien. On a un bon bruit. Non, bon, on est entre nous. Et puis, même. Ibrator, je suis allé plusieurs fois chez lui. C'est un bon chanteur. En tout cas, vraiment, il peut toujours minimiser groupe terre. C'est un garçon, il peut se mettre debout là lui-même. Oyo qui chante, donc, terrible. Ok, on va en profiter. Vous êtes directeur artistique, vous êtes maestro. Vous en a... Pas vraiment maestro. Pas vraiment. Je ne suis pas encore arrivé. Tu maîtrises la musique. Je ne suis pas encore arrivé à ma maîtrise, à ma sec bidence, à ma maestro Suzy Kassé. Ok. Je suis encore trop petit. Ils ont un débat avec ça. 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 Ils ont par rapport à la déconnexion de ça. La question que j'ai posée, ceux qui ont maîtrisé, c'est bon, ceux qui ont maîtrisé, c'est tout l'équipe. Et on saute. Ah, on a un Azanani, grand chanteur Azanani. Grand et bon, Bazakara, similaire. Donc, parce que Bissonio soutenait tous les alliés à Moutakouki Azate. Parce que je vais te dire une chose, na chant, tous les ans, pratiquement, na tous les deux écoles à chant. Tous les ans, monté, tous les ans. Parce que bon, il y a certaines personnes qui s'appellent bons chanteurs parce que bon, ils croient puis là, peut-être il y a tout à ma pata. Il veut s'appeler bon chanteur. Ceux qui vont vers le bas, c'est aussi des très bons chanteurs. Après c'est à l'occurrence le feu Pépé Calais qui est mort le 28 février, donc paix à son âme. C'est une date que nous on ne peut jamais oublier parce que moi j'ai fait aussi partie de la famille. Donc c'est un monsieur exceptionnel parce que moi j'ai eu à le découvrir seulement. La présence, la banque, la disque, la zabou, ainsi de suite. Le premier jour où je suis arrivé dans le groupe, ils avaient tant aussi six répétitions. On a fait tout ça, les cercles. Ils ont prié. Parce que vous soit Tindisco. Vous avez appris à Mouta prier. Mais en attendant, vous avez appris à Tindinzembo. Vous avez Nzembo, il y a glorifié de l'éternel. Ils avaient appris à Nzembo, il y a Nani, Deningonde. Mais via Tenga Misinze Mwande Ningonde. Donc, sous ma salle, il y a deuxième version. En tout cas, il faut expliquer que non, il y a un peu.
Pepe Kala ye manzemba de ningonde sikoyo me oye biso tout okangami to kangami to bonne to kangi miso tamo via tindi ah trava lisu mo mo fungami to talani to bia ouais je me rappelle ba prince bela ba selimi kobi ba le fombo yo no ramta kala kala vuma tete kala vuma trote mais bon j'ai quand même t'as l'époque place où on a eu Delta Force, Delta Force c'est pas loin, hein, c'est 99 donc 99 c'est pas vraiment trop loin. On a 9 ans à âge. T'es, mais bon. Mais t'as à calculer. Non mais bon fait voilà quoi à peine. Na où t'as payé moi kala parce que moi je me rappelle mon père dans musique et comment les kanga trop et comment matanga na matoi. Alors on a déposé là, on a tout n'anga déposé là. Dans une famille la day. Si quoi on a ça on a si quoi bah popolipo bah vieux poisson bah Jimmy Yaba bah vieux gens moi d'orbe t'accompagnement toi d'orbe t'anaï bah tout nous surtout pour vivre dans la place à l'époque si quoi on a ça y wana si quoi tout n'anga si quoi à l'époque on a bon on a zo bunda na car si à fin de compte comment est pratiquement on dirait moi la moussa la bango pour jeter les plus gamins mentor n'a eu à la nan la musique ouais. Maïka Mounan, maestro donc je m'inspire de lui donc je voudrais devenir comme lui mais en tout cas bon celui qui m'a appris de la musique c'est pas bon il n'est pas un musicien aujourd'hui c'est viendra Viki Labaté Philomine Mbembele donc c'est lui vraiment qui m'a mis sur le rail okay. Et j'ai aussi un collègue auquel Namonaye n'a pas inspiration Jean-Denis Basselé donc à l'époque moi en tant qu'arabe interne bon à l'époque tu sais qu'on a ça littéraire je suis allé rater avec mon ibarat n'a raté inscription si vous n'avez autant en Elikia ah voilà la gare centrale je crois que la gare ouais Elikia si quoi tout ça qui wana na en fait la journée culturelle les alaki mon frère là Jean-Denis Basselé il y a la guitare parce que tu vois il y a un événement football il soit du guitare à l'obéta scouille et bat batika balle et au talaï en est au gabana Basselé je ne pense pas dans les arabes comme au monde il y a secteur au monde Jean-Denis Basselé on a peine à y a l'ouangé mbon à kengelaï t'as joué si quoi voilà je vous dis n'a zé n'a ou l'inga peine comme un guitariste parce qu'on a talié à rien directement là na bando ke libanzela bazando po ngala bando sala be konu e konzo ya osomba guitare ngamo OK donc ça dit so ba pesinga po na tongo via e otika biso na école mais na retour biso moto zonga donc c'est mm. Surtout kozonga na c'est que je faisais donc là na retour non sanga be konzo kozonga pi avec les amis ainsi de suite donc c'était comme ça que c'était comme ça j'ai avoir une guitare donc je salue vraiment Jean-Denis Basselé c'est un ami. Il est à Bruxelles aujourd'hui, c'est à pratiquement un politicien. Vous avez même génération, peut-être Olivier Tshimanga. Ouais, Olivier Tshimanga, c'est pratiquement ma génération, mais je dois être un peu moins cool tout là-bas, moi. Alvarito Solo. On a petit nom. Ah. Ouais. Ok. Nous avançons avec vous, je crois, les gens sont scotchés, connectés à suivre cette émission parce que surtout plutôt côté Namozindo et musique. Mende Tigo, Olivier Tshimanga, bon, je ne le connaissais pas, j'entendais parler. Je me rappelle une fois, je l'ai découvert, c'était dans la gare centrale Pikakana, Baoba, Banao qui est dans l'Obeta. Tigo, je suis venu, c'est un ami, Papi Kalumbo, tu vois, dans un mouvement, c'est lui qui m'a parlé de lui. Il a dit que tu as ce qu'on sait à Banao, qui n'a pas dit Bosso. Parce qu'il y a aussi une interprétation, c'est quoi, le quoi, Kanz, ainsi de suite. Il y a dit Bosso, non, Kengeni, il y a dit. Et puis après on en a parlé donc c'est le premier jour en tout cas j'ai eu après j'étais impressionné par à cet âge là déjà Banaoke et puis ce qu'il faisait là c'était le grand formidable hein. C'était formidable donc Olivier Tshimanga et puis Gingai Ntima Mabeza raté donc quand tu fais du bien donc il y en a plusieurs pas tout solo père son homme le gaucher qui jouait dans BCBG Nani c'était un ami aussi donc grand guitariste j'ai oublié les noms donc ok nous avons Burkina Faso nous sommes venus de Kikwit avec lui ok
ok, c'est bon. Donc de Belgique à Kikwit, ou bien de Kikwit à Belgique. Si Congo la Zagindeni. Donc à un moment donné, trouble tout moi et les cas et tout, si j'ai tant à ce que internat à Kikwit. Okay. Moi je revenais de la Belgique. Na kiti na aéroport en Djili. Na elemba, na zui bus. Bien. Kikwit. Kikwit quoi. Si on a cahier de communication pour ma adresse à Bruxelles. J'ai le lien qui. J'ai le lien qui. Bah mine na balali va coco bangala, je le salue vas-y belé bah hippo, y a hippo Foulou qui est aussi diplomate aujourd'hui aux États-Unis. C'est mon ami d'enfance dans son talent. Mais sur la commune pas les mots estimé comme honorable quoi. Néni mon tourné États-Unis. Oh y a Nissan non. Azalaka. Qui a Nissan? Papichako. Papichako. Cashmani ouais c'est. Azalaka. Ouais Azali. Ah. Papichako. Au cérémon oui sans non j'en cite au ça en sorte que Koutana Papichako. Ah ouais. La raisonner si côté on le dit bah master. Ouais mais lui aussi c'est un ami d'enfance on a eu à grandir avec lui dans la bande là. Ah accompagné à Rogati Lelo. Oui c'est un ami sur na sur moi pourquoi sur Ikoti. Papichako. Eh la belle élite. Cash Cashmani. Ah. Des chiffres. J'ai profité pour d'ailleurs récupérant. On a profité pour prendre la paix à Ibrahim Chako, son grand frère. La paix c'est bien beau tatoué la colo idéologie. Ok, toujours avancer. Événement impérissable. Oyo, je crois même dans Mutunayo et au Tikale Olongwate le 29 octobre 2022. Voilà. C'est là où moi j'attendais les affaires. Et tant que directeur artistique, il a fallu Poupa. Je sais pas aussi ce que vous allez être directeur artistique et événement. Hein? Vous allez être directeur artistique et événement. Toujours. Ok. Gino Liaki. Oui. Qu'est-ce que tu as apporté de plus Oyo et satisfaire Fali, l'orchestre, fanatique et mélomane de la bonne musique, la touche Nayo étant que directeur artistique pour cet événement? Bon, au départ, déjà, nous sommes venus présenter de la musique. Ouais. Puis tu vois que ça va spectacle était que là ça va l'unité bon nous sommes venus ok puis nous voyons qui pour la musique jouer la musique représenter musique pas pour le spectacle non bon fait je veux en venir ah ok ok les musiques à toi dans sa début tu vois qui représenter musique un spectacle les nabiso ah musique la spectacle et, musique pour les spectacle. Pour les mélomanes et puis bon le reste c'était l'organisation parce que dans notre groupe aujourd'hui il n'y a pas que les directeurs artistiques nous avons des ingénieurs qui quitte la France accompagné. Mais géré par Gino Liaki. Oui, bon, en fait, c'est la structure en Abyssaut. Ouais. Donc, nous avons Guide. C'était un ancien ingénieur de son de Kassav qui travaille aujourd'hui avec nous. Donc, ça veut dire que Kassav est mort. Kassav, il n'y a plus Kassav aujourd'hui. Mais qui travaille avec nous. Donc, même son assistant, vous voyez, un peu à Guadeloupéen. Et puis, nous avons aussi le côté lumière, Aimé, qui, bon, c'est un Congolais. Mais qui a étudié en France, qui participe avec nous, qui travaille avec nous aussi. Nous avons aussi. Bon, à l'époque, nous avions un monsieur Dessène, c'était un Sénégalais bon, qui n'est plus avec nous, qui a été remplacé par un Franco-Camerounais. Au reste, donc, on travaille avec lui. Ok. Stade de martyr. Oui. S'il faut réclamer, place Oyoyo étant que directeur artistique. Place au tout le monde, il faut aller à la Boïsa Boïté. Ouais. Ouais, je vais passer directement là-bas. Côté Nabisso, peut-être, étant sûr que les gens ont remarqué, moi, ce que nous avions dit, c'était pas fait. C'était quoi? Je parle peut-être de la lumière. Lumière. Donc, ces lumières-là que vous avez vues, c'est venu directement de la France. Je me rappelle, nous étions à Houston. Aimé déjà devait faire son déplacement de Houston jusqu'à Kinshasa via Paris. Il nous a précédé pour cet événement des stades des martyrs. Mais qu'est-ce qui s'est fait ces jours-là? Tant que c'est que Tchaba Lumière, Naibisio, Borabatouita Mikilidon, Naibité Soto récupérant. Et bien, t'as un grand canon musical. Donc, ça dit les attaques. Et t'as même, il y a pas sorti tout. Je dévoile ça aujourd'hui. Quand tu dis les attaques, attaques parce que normalement, tant déjà vous organisez, parce qu'à chaque temps, vous avez qui n'a pas vérification, vous avez l'année non, mais en fait, Tozaki n'a tant sauté, parce que, bon, je vais te dire, nous avons pu les, nous étions à l'acquisition du stade le 24
Vous avez pris ça pour combien de jours? 5 jours, je crois. Non, je vais t'expliquer. Le 24. Qu'est-ce qui s'est passé le 24? Le 24, c'était l'entrée de tous les effets. Parce que le stade de Martigues nous appartenait ces jours-là, tout côté de plan. Je pense que le 25, il a plu. Parce que normalement, il fallait déjà construire un podium, ainsi de suite. Et puis, arrivé le même jour, Pelouse. Donc, nous avons eu pas mal. Bon, il y a eu un chef. Parce que Pelouse, il y a eu un département. Donc, ça veut dire que tu peux déjà être roulage dans un rond-point Willeri. Et puis, il y a eu un représentant. Il y a général Kassongo. Donc, ça dit Yende Kassongo, place Wana. Bon, en fait, nous avons pratiquement tout le temps dans le stade des martyrs. Où il y a Mabobou. On est beaucoup plus sur trois phases. Nainde Awa. Je n'ai pas été autorisé. Tout le temps, il y a Mabobou. Maintenant, mon Zolo Babongo, il faisait partie de votre staff ou bien il y a. Le stade des martyrs, ça ne nous appartient pas. Exactement. Nous nous sommes venus. Resté. Exact. Donc ça veut dire que comme la stade, il saute peut-être au niveau, mais la main il a pompe. Faut tout dans le pompe en at. Ok. Bah, quoi le stade? Ok, tout dans le gérant, j'en habite, il m'a dit qu'il n'y a pas de main, il n'y a pas de main, il n'y a pas de main. Pompe n'a pas de main, on a 6 heures. Uniquement 6 heures, tourner à Kéli, à Képé. Nous avons rencontré pas mal de choses. Nous avons été, bah, il y a eu ce stade des martyrs, il y a Binona le 24. Mais bah point sous les aguets a bisauté. Il a fallu appeler les gérants, appeler les ainsi de suite les responsables. Ok. Et puis même le ministre des sports a été contacté pour certains points. Ok. Tantôt comme la pelouse, toujours blocage quoi. Ne n'a pas bêté l'engin ma solo tain. Bah il y a des tapis roulant pour bas bakanga. Sérieux? Oui. Oh là là, fallait vraiment passer de moments horribles. Donc, non, mais bon, Fally, lui, c'est un artiste. Ouais. On ne voulait pas le mêler dans tout. Ouais. Donc, il était à un moment où... Psychologiquement, on ne pouvait pas tout lui expliquer parce que c'est l'artiste qu'on attendait. Parce que dans tous les banderoles, il n'y avait pas Ginolia qui, quelque part, c'était Fally. Et il devait rester tranquille parce qu'il a quand même répété pendant... Nous sommes arrivés ici, pendant pratiquement... Les 12 jours, nous sommes passés dans Maloukoukouna, donc on est venu uniquement pour prester. Okay. On ne pouvait pas en même temps venir lui dire que non, Denis, tout le monde a pas fait ça, c'était eux, ça, Baboui. Lui doit intervenir, non. Non. Gino Liaki, on parlait de lumière. Ouais. Si je comprends très bien, lumière, où il y a qui est au Kouka. Mettons un commun à stade pour checker courant. Té, dans moi, il y en a 14, pépélé. À un certain moment, dans ma première groupe après, c'est des bandits. Tout le monde m'a dit, lumière, c'est qu'il y a qualité, thé ou bien courant. On pouvait pas tout se mettre au contrôle. Ok. Mais bon, c'est passé. Heureusement que le public lui est venu pour Fally. Exactement. Heureusement. Et puis tellement si lumière, Fally avait beaucoup parlé, martelé sur ça. Heureusement que nous avons prévu plan B, plan Z. Il y avait une lumière qui était pratiquement la ligne à côté à Libosso Nabiso. Ils ont bêta uniquement Fally. Heureusement. Ok. À part lumière, problème sous celui qui côté Nini. Non, ma première il y a qui bon peut-être Koenig se bat pas avant Nixa Nixa c'est podium. Podium mais qui vraiment en cas mais c'est mais ça va bleu dans mon qu'il a salité les gens et puis contenance il y a bateau Bazaki dans le stade, il n'y avait pas 80 000 personnes. Mais le vieil Pindé Bazaki. Non mais il n'y avait pas 80 000 personnes parce que les gens, il y a certaines personnes qui voulaient escalader, certaines personnes ça bougeait un peu dans les bars. Ok. Et il y avait Bendende Mtesim Bibiso. Ça, okay. Si vous battez sous bas d'aigle sur excité tant ma monnaie Fally, vous vous sentiez n'a pas ta vie et puis quel enthousiasme. Ok, mais parce que quand vous vous payez avec ma gueule, ta monnaie Fally apparaître, ma boum ma cédé, ma salagi. Ok, au cédé et puis lumière, podium, est-ce que sans aussi il y a un problème? Non, sans il y a un problème, sans ok.
Naïvité, peut-être, Tom, si tu as remarqué quelque chose de nouveau. Hein? Parce que moi, j'ai vu, bon, le lendemain, bon, j'ai vu peut-être quelqu'un qui a craché sur nous, qui parlait de son. Bon, non, en tout cas, moi, à côté, son, il est impeccable. Bandam, meeting à Liboso, Bandam, en tout cas, son, en article, il a commenté. Bon, c'était pas pour faire la polémique avec certains, mais en tout cas, hein, ton confrère qui s'habille en prêtre. Qui pratiquement fait la politique, mais bon, je l'ai vu mêler un peu dans la musique, je comprends pas c'est que ça se passe. Quand on fait une émission culturelle, mais bon, pratiquement on écrit politique, mais bon, ça devient un peu musique. Ah, ok, tu parles de. On doit dire, tu parles, je comprends que. Ah, Nazo raisonné, mais quand tu parles de prêtre, tu parles d'Israël Mutombo. Papa Sango. Ah ok, lui n'était pas dans l'organisation. Non, il n'était pas. Moi, j'ai quand même suivi une parenthèse qui disait que non, en tout cas, depuis que lui il est né, depuis existant le stade des martyrs, il n'a jamais entendu les sons pareils. C'était quand même encourageant. C'est ton confrère, non? Ok. Mais bien que son émission c'est politique, mais bon, il fait quand même parenthèse pour dire que non, qu'il torrent au Abinasson. Ok, nous avançons avec Gino Liaki qui est directeur artistique. Batubayate, Obanda Bangomabe, Obanda Bangomabe, invitation au cours ardoise, mais avec divin, invitation en bois, Netika Kabasali à mon Joseph Tata Mobokoliaïs, grand menuisier, invitation en carton, Naba Folo Nango, jardin de Dieu, invitation à vous, Bangoya Mokolo Fetilata Mabe, maison divin. Salibinote, à Tchelibinope promotion, on a l'air à Pamba. Maison Given, vous êtes trop amoureux du pays. Wow, Given, vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Aïe, 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 Yo lele,